Le premier au coup de balai. Le gouverneur. La journée nationale de nettoyage. À l'instar d'autres régions et départements, le gouverneur des régions, accompagné Pour suivre,
le Sénégal suñu nak mo fi jëm wa niñu jëk dawal won leen suñu bu tay wër bu nek que nous avons déjà prise depuis 2016 avec le projet Adineikes qui a d'ailleurs été primé à l'occasion du prix du leadership local au mois de décembre dernier. Nous avons eu un prix précisément dans le cadre de la catégorie territorialisation des politiques publiques, puisque notre conviction profonde est que il faut d'abord aller dans le sens de conscientiser les citoyens pour pouvoir les mobiliser. La propriété est l'affaire de tous. Nous pouvons faire des opérations, mais il faut pouvoir maintenir justement la propriété des lieux, disons, qui auront été visités. Ici, à Thiès, pas loin, disons, de l'endroit où nous nous trouvons, il y a un terrain. Qui est un véritable dépotoir. C'est là que beaucoup de charretiers en fait jettent les ordures. Avec la collaboration de l'UCG, nous avons eu au moins à 10 reprises à nettoyer cela.
ça le mien, c'est pourquoi j'interpelle tout à l'heure monsieur le préfet, pour que le propriétaire de ce terrain soit identifié, la même autorité de le terrain, parce que ça, voilà, ça fait partie aussi des problèmes à résoudre. Je pense que aussi bien ici à Thiès qu'ailleurs au Sénégal, c'est cette prise de conscience que la propriété est éminemment liée à la santé qui va permettre un peu de disons, créer ce levain. Je pense que ce levain-là, c'est ce que le président de la République, certes, a déclenché. J'espère que ça va prendre. En tout cas, c'est que tout le monde le sait. Maintenant, il faut juste éviter que ça soit des opérations de communication par-ci et par-là. Il faut que les autorités s'engagent. Il faut que les différents élus s'engagent. Il faut que les différentes associations s'engagent, notamment les associations de jeunesse, les associations sportives comme ORCAV, ORECAV, les ASC doivent s'engager. Moi, je pense que ça pourra permettre un peu de toucher tout le territoire de la ville, ce qui concerne le territoire. Possible, ce qui concerne D'abord, pourquoi le lundi? On aurait pu faire ça le samedi. Moi, je suis parfaitement d'accord qu'on aille dans le sens de prendre le samedi à Thiès. Mais pourquoi lundi? Parce qu'ici, à Thiès, depuis 2014, nous organisons la cérémonie de levée des couleurs chaque lundi. Ce n'est pas le premier lundi du mois, c'est chaque lundi. Et au terme de la cérémonie, nous choisissons, disons, rue, place, etc. Pour faire de cette forme. Voilà, c'est ça l'alternative. Mais avec le rêve que cela déclenche quelque chose au niveau des populations. Parce que si ça a déclenché, ça, c'est pas grand chose. Ça, c'était en attendant d'avoir les moyens. Vraiment les moyens énormes et les moyens nécessaires pour pouvoir véritablement, puisque c'est notre compétence, nous occuper de la gestion durable des déchets. Alors, nous avons pu, j'en ai parlé plusieurs fois, surtout à l'occasion des audiences publiques, nous avons pu, avec le Fonds pour l'environnement mondial, décrocher un financement important dans ce cadre. C'est pour mettre en place une unité de traitement et de valorisation des déchets. Mais le financement aussi concerne le début du processus. C'est d'abord en aval, c'est-à-dire qu'on commence par le tri. Au niveau des maisons, il y a d'abord un aspect de sensibilisation, d'éducation, de communication pour amener les populations à comprendre qu'il faut d'abord trier au niveau des maisons. Il faut avoir des poubelles pour trier. C'est pour ça qu'on avait parlé d'une opération, une maison de poubelle. Alors, ensuite trier, collecter, transporter. Et puis maintenant, avoir une unité de traitement et de valorisation. Ça, sur l'ensemble de la chaîne. Parce que s'il n'y a pas de solution durable, c'est juste des opérations. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Donc, c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, nous sommes investis justement dans le cadre de la coopération sur ces échanges avec des institutions capables de financer ça. Côté, nous avons pu heureusement décrocher justement ce financement. Aujourd'hui, ce qui bloque, c'est une requête qui doit être faite par le ministre en charge des finances. Comme nous étions au niveau de l'Assemblée jusqu'au 12 décembre, donc dans la session budgétaire, nous avons laissé le ministre se concentrer sur ce travail qui est pour le Sénégal. Maintenant, on espère qu'au courant du mois de janvier, que le rencontrer pour que cette requête-là, afin que la Banque Ouest-Africaine de Développement, qui est l'agence de mise en œuvre, donc le projet puisse aller dans le sens, disons, de démarrer ce projet qui sera certifié. Nous avons dit que 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 nous avons dit Nous avons fait une cérémonie de couleur, 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 nous avons fait une cér
nga ne ah kon man tam laa ci dugal sama loxo ngir ñu xam ne ak cet moom njariñu ñëpp la ndax wér gu yaram ci boppam du am su set am ñun bi ñu danoo màggee ci jamono boo xam ne kenn ku ci nekk da ngay set setal sa dugg mu des nag tonn bi te tonn bi dëkk bi moo yore loolu alors mu mel ne mbir mi jugaat na bi président woote waaye nañu fexe ba mu am njëriñ ndax bu yemee rek ci gaaw ñu fàtte ko te maat lu yàgg doo ko defaat du am résultat trop dañuy comprendre ne woote bi mi ngi nekk njariñ baa ngi nekk ci nit ñi yewoo ci ne ah cet gi am na njëriñ ndax yëpp ñëpp la dama daan wax tout temps wax naa ko keroog bi may joxe bëy yi di wax ne bu jéeri meññee te géej gi laa biir ñu sellal jaww ji koom-koom bi mën a naat jàmm ji yaatu Sénégal bi loolu laa gëm ne noonu la war a def environnement bi moom bu ko toppatoowul kenn du nekk ci jàmm kon lii ci loolu la jëm ñuy ñaan nit ñi gën ko xam nit ñi gën ko miin soriwul fii ñu nekk ni am na fi benn terrain benn kër boo xam ne dañ ko clôturé ànd nañu service technique ville bi ak UGPM plusieurs fois set setal ko génne mbalit mais saa yoo fa jaar boo fa jaaree fi tool jàpp man dama demoon sax tey ji foofu la ñuy tàmm parce que nag foofu nekk ci mbeer mi te moo ëpp njëriñ loolu su fekkee ne dinañ jóg di ko def mais buñ ko tëju bu ñu seetul di ko moom mu tëj ko clôturé ko mais loolu day ñëwaat te loo defar loolu nekk ci biir digg dëkk bi su melee ni mu mel day mel a defuñu dara dafa mel ne ñun si maanaam salté bi dérangé wu loolu problème la léegi nag ñun yàlla dogal na ay atté ñu nii ñu ngi liggéey ak fond pour l' environnement mondial ba ñu jag leen Thiès Thiès bokk ci juróom-benni dëkk ñu tànn ci zone UEMO Sénégal Thiès rek moo ci bokk ñu jag leen ñu boppal ñu takk yoo xam ne liggéey nañ ci lañ ci waroon liggéey ba noppi mu des rek lenn lu ministre bi yoree finance war a xaatim ministre bi nag xawoon a jàpp ci wàllu budget bi ci weeru décembre bi ñuy am yaakaar gis ko ci weeru janvier bi ngir mu mën a xaatim lo loolu su dikkee la muy yombalal mooy xëy na loolu dina ñu may ñu mën a am ay poubelle yu nekk ci biir kër yi yoo xam dina tax nit ñi di mën a séddale ba xam li ñu war a mën a jariñoowaat ak li nga xam ne kenn mënu koo war a mën a jariñoowaat ñu tàqale leen ba ca des mooy ñu jële ci moyen ay jumtukaay yoo xam ne dinañu mën a tonni mbalit yi fépp fuñ ko mën a fuñ ko mën a fekk mën ko yóbbu it ci barab yoo xam ne danañ koo séddale ba pare nag seet lañ ca mën a jariñoowaat ñu def ko leneen loolu ñu ngi ci am yaakaar mu tàmbali balaa yàgg. koppar nu mu toll. waaw xam nga projet bi globalement 9 milliards yoo xam ne 12% yi waa FEM ñoom ñoo ko def don loolu c' est déjà acquis maintenant ci li ci des dafa am co-financement boo xam ne banque West African de développement moom moo koy dem wuti alors loolu nag lañ ca jublu ñoom dañoo bëgg bu projet bi defee juróomi at mën na demal boppam moo waral fii def nañ ci benn audience publique bu bokkul ak yi ñu miin boo xam ne ñu ngi ko defoon salle de délibération woo kuréel yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk bi yëpp nit ñi waxtaanoon ak ñoom consultant bi ñu yónni woon ak équipe bi ñu yónni woon waa BOAD ak waa FEM ñu waxtaan ak ñoom ba wax ne bu loolu dikkee danañu teg benn ligne de financement boo xam dina permettre kuréel yi bëgg a yëngatu yëpp ci wàllu mbali ci biir dëkk bi ñu jox leen ay koppar ñii ci dem tonn gi bi ñii ci transport bi ñii ci leneen ba nga xamante ni dëkk bi dina def pour que ñooñu buñ te jëlee ay kattan ñu mënu woon amal seen bopp su juróomi at yi rombee ñoom ñu mën a wéyal loolu loola ñi ngi am yaakaar moo eggañ non ñoom fond pour l' environnement mondial seen direction générale daje nañu ba approuver projet bi depuis la fin du mois d'août maintenant banque West africaine de développement bi nga xam mooy agence de mise en œuvre le 20 septembre la ñu yónnee notification bi ñu ko yónnee man sax wàll ba président laa laa ko jëkk a yónnee bu ko yónnee li ma ci jublu woon tamit non seulement mooy yëgal ko mais pour que mu mën a soññu ki nga xamante ni mooy ministre bi yore wàllu finance ndax comme dañoo bind ci lettre bi ne ñi ngi xaar ci ñun ministre bi yore finance ci biir Sénégal mu def requête pour financement complémentaire
lool nak mom rek lañu xaar bu lool diké ak jam bu boba yaakar na ni di ngeen fi mëna gis ay auto yenen yo xamantene dina wuté ak yi fi nek je pense que suñu bolé boba doolé UCG ak doolé bobu di ñew yaakar na ni fi ci ciès dañ wax leneen lu do ba ñom xam nañ dama leen méré dama leen koy wax mu leer bi ba dañu invité sax man di né mané ñew dañ leen pas dit pourquoi je dis on lu may wax lu bëgg rek la parce que luñu nekk ñu nekk ci ak ñom té bu lu dëkk bi nekk ñom duñ ci nekk lool mu nekk tax ñun ñi ci ASC lañ ñew ñun dañu nekk ay ancien leader ASC ñun ASC dafa am lu daan tekki ci ñun c'était des associations sportives et culturelles mais ñu daan impliqué wu ci lépp lu jëm ci walu développement dëkk ñëpp xam nañu né dans les années 87-88 ASC ci bopam les questions démocratiques qui se posaient au Sénégal dañ ci daan impliqué wu ça ne voulait pas dire faire de la politique partisane parce que dañ leen ko tek mënuloo am ASC ñi ci nekk doon ay doomi askan bi te duñu intéressé wu ci liy dox ci biir réew mi ak liy dox ci biir dëkk bi loolu mënuta nekk alors xaalis bu ñuy jël moo xam commune yi di ko joxe comme subvention moo xam ñun comme participation à l' organisation des compétitions sportives ba bu amee phase nationale fu mu mënti doon damay dem marche bu jot lu ma doon def dama koy teg ngir lan ngir damay jàppale ñoom ñooy représenté Thiès kon lu fekkee ne effort yooyu ñu ngi koy def alalu Thiès lañ ci def mais dañ koy def ngir loolu ci mbir mi la bokk sport daa bokk ci yëf xam nga volet culturel moom ñëpp tege nañ ko dele ci côté ASC côté éducation bi ñu ci bëri am na ASC ci góorgóorlu nag mais bëree tu mais il faut quand même créer cette sorte de petite crise là pour que nit ñi jëlaat conscience ñu xam ne dëkk bi kenn ku ci nekk da nga ci am wàll su fekkee dañuy jël xaalisu waa Thiès di ko def ci ay kuréel yu fi nekk mais su waa Thiès soxlaa ana kuréel yo du pourquoi du ñëpp bu ñu wootee pourquoi tey ji ASC yi nekk ci dëkk bi yëpp koñ mu ne am na fa mais su ASC yi impliqué woo rek problème bi rek man maa la ko loolu moo tax nag il est essentiel que ñuy waxante dëkk voilà on ne peut pas aussi jóg rek bu amee football ñu génn xaalis def ci bu football bi weesoo dëkk bi soxla mais kenn du ci impliqué wu loolu c' est pas normal et il faut que loolu mu arrêté wu Thank you.